Et voilà, je quitte l'endroit. Bonjour tout le monde, hein. Je quitte l'endroit où j'ai bivouaqué cette nuit. Donc là, il est 7h06, j'ai environ 140 km à faire aujourd'hui. Et voilà, donc la journée s'annonce bien, ensoleillée. J'espère que les paysages vont être beaux. Je pense que oui, peut-être pas tout de suite dans les premiers kilomètres. Voilà, donc là, j'ai campé au milieu de la forêt. J'ai pas été dérangé par personne, par contre j'ai été dérangé pas mal par les moustiques dès le début, à tel point que je me suis même demandé si j'allais pas changer d'endroit, mais j'avais commencé à déballer. Heureusement que j'ai emmené des huiles essentielles avec moi. Du coup je me suis mis pas mal de lavande pour être tranquille. Là, ça marche, mais faut en mettre quand même assez régulièrement. J'en ai mis 2-3 dans la soirée à plusieurs endroits stratégiques, les chevilles, autour du cou. Ce qui est bien la lavande, c'est qu'elle n'est pas agressive pour la peau, contrairement à d'autres qui sont moins agréables. Je me souviens d'une fois, on a pas eu le choix, on a pris du titri, j'ai un doute, mais ça chauffait. Je me souviens qu'elle chauffait bien cette huile. On était parti faire un bivouac avec quelques amis en Auvergne. Et sacré souvenir, une copine qui ressemblait à une tortue ninja, elle était couverte de la tête aux pieds. Stéphanie. Voilà, donc maintenant je reprends la route et j'espère que tout va aller bien, que je vais avoir. Par contre je vais avoir pas mal de lénible aujourd'hui. C'est le truc. C'est le truc qui est un peu dommage, on va dire, mais bon, ça fait partie. C'est parti, mais j'aime bien quand c'est équilibré à peu près, moitié-moitié. Et là, ça va être plus montant que descendant aujourd'hui. Bon, après, j'ai remarqué aussi que mon géovélo donne des fausses informations à ce niveau-là. Là, il m'a annoncé, je sais plus, dans les 1000 mètres de dénivelé, un truc comme ça, mais on peut facilement enlever 200 mètres, je pense. Donc, ça sera peut-être dans les 800 que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Ah, je suis content, là je suis. C'était un petit peu triste hier. Vous savez, c'est quoi le moment le plus dur quand on voyage seul en vélo c'est le repas du soir pour moi. Le repas du soir, je trouve d'une tristesse à chaque fois. C'est seul moment. Après dormir, ça me dérange pas. Dans la tente, ça me dérange pas. Ranger, déballer, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au moment où on mange et qu'on est seul. Alors ça c'est pas marrant. Voilà, surtout quand on sait qu'on a nos amis qui sont ensemble. Alors ça c'est encore pire. Hier j'avais malgré tout mes amis qui étaient encore ensemble séparés ce coup-ci, ceux qui étaient à la maison. Du coup, ils n'ont pas dormi chez moi. Parce que mon beau-frère arrivait cette nuit et mon beau-frère avait attrapé le Covid. Du coup on a dit aux amis, sortez, fuyez. Alors on les a fait loger chez des amis. Après c'était également des amis à eux maintenant, comme ils se connaissaient. Ça va vite chez moi, se faire des amis. Ouais, le paysage en contre-jour, mais c'est vraiment beau, hein, au petit réveil comme ça. Lever du soleil. Ouais, je suis content dès le début, je suis à peine parti que j'ai une belle voie verte là. J'espère l'avoir très longtemps. On verra. Ah, c'est vraiment beau. Oh, coucou le chat. Un moment, hein. Le chat noir. Rappelle-moi. Bon, par contre, là, ça me fait un peu peur. Je suis le GPS, mais ça m'inspire pas confiance. C'est beau, mais j'espère que bon, il y a un petit sentier, il y en a un petit, mais quand c'est comme ça on voit bien que c'est pas bien emprunté et j'espère que ça n'a pas fini comme hier. D'ailleurs non, je pense pas, j'ai peur que ce soit le non, c'est pas la route. C'est pas le même qu'hier, hier il est derrière le passage où je me suis retrouvé coincé en toute logique. Mais malgré tout, c'est pas bien rassurant.
quand on roule comme sur un sentier comme ça, on se dit d'une seconde à l'autre, ça peut finir en impasse. Ah, et puis tout à l'heure, c'est vrai, je vous disais que c'était dur de manger tout seul. Mais heureusement qu'il y a quand même WhatsApp, hein, qui fait que j'ai pu discuter un petit peu avec une copine, Lily, hier. Ça fait plaisir. Je sais pas si elle regardera la vidéo. Elle me suit sur Polar Step. Est-ce qu'elle regardera toute une vidéo, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Et ben voilà, regardez. C'est ce qui me faisait peur. Hein. C'est ce qui me faisait peur. Voilà. Et là, je me retrouve. Ah, ça continue un peu, mais... Regardez le GPS qui me dit... Lui, il dit que ça passe, hein. Mais bon, moi, je suis moins confiant que lui. Je vais passer à côté du vélo. Pas que je tombe à l'eau. Voilà. Hop. Il faut que je monte du côté gauche. C'est ça qui galère. Je n'arrive pas à monter du côté droit, je n'arrive pas à monter sur mon vélo du côté gauche. Alors à chaque fois, je dois faire remettre la béquille. Alors, on est reparti. Ouais, donc je disais que, heureusement, comme ça, j'ai pu discuter un peu. Bien sûr, je téléphone un coup de fil à ma femme tous les soirs également. J'ai changé 2-3 mots avec Audrey. Mais parce que je voulais faire un visio avec elle hier. Mais malheureusement, elle n'a pas entendu son téléphone, il n'a pas sonné, elle m'a dit. Et dernière, je voulais le faire avec les quatre amis, ils sont arrivés tard, du coup, j'ai mis mes autres amis, donc j'ai dit, bon, allez, on verra, donc elle m'a dit, là, on fera ça, je lui ai dit, on fera ton retour, donc elle m'a dit, lundi, on le fait, dimanche, donc demain, ça me ferait plaisir de lui dire un petit au revoir maintenant qu'elle a quitté notre région. Ah, ça va, pour le moment, ça va un petit peu mieux là-bas, on va voir. Me raconte un peu ces derniers jours. J'ai pas mangé trop de sucreries hier parce que je suis un peu sensible avec des aftes. Je commençais à en sentir un à force de manger des fraises tagada. J'ai acheté aussi des chamallows. Alors je me dis, allez, hier, faut que j'en ai mangé aucune fraise tagada d'ailleurs. Juste 2-3 chamallows qui évitent un peu les sucreries là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça devient tendu quand même. Hein. Ça devient tendu. Hein. Il me dit par là, lui, mais... Il ne voit même plus. J'ai vu une route à côté, mais je crois que c'est... Eh ben, il ne voit même pas où je suis, cet abruti. Renseignement. Hein. Bah oui, renseignement, c'est toi qui me fais passer par là. On va essayer, hein. La barrière elle est à plat, apparemment il y en a qui passent. Je pense que je ne vais pas être le seul à me faire avoir. Donc plus on est nombreux, plus ce sentier va se dessiner. Ah, c'est clair, c'est... Mais on ne doit pas être nombreux. Ah là 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 là. C'est bon quand même. Tout ce que je veux pas, c'est me retrouver coincé. Il y a des toiles d'araignée. Oh là là, la vache. Oh là là, les toiles d'araignée sont énormes. Oh, j'espère que je vais pas m'en prendre. Ah, je vais m'en prendre, mais il n'y a pas d'araignée sur moi. Regarde, ouais, ça un peu. Oh là là. Ah, j'espère pas emmener de passagers clandestins avec moi. Ah, je vais avoir les pieds trempés, ça continue, mais bon, il va faire beau, ça va sécher. Bon, allez. Oula. Couper un peu. Ah, ça s'arrange pas, hein. Il y a une grosse usine à la gauche là. J'espère avoir une route un moment. Parce que dis donc, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de cet endroit. Je préfère prendre de la route
que de prendre ça. Et là, franchement, pour le moment, regardez les toiles d'araignée, j'en vois vraiment pas le bout. Il y a bien un moment avoir une route, un truc qui va m'aider. Bon, je sais pas si je m'en suis sorti. Là, ça va mieux, j'ai réussi. J'ai vu que j'approche d'une ville. J'ai la possibilité d'aller à gauche, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fini. Bon, je pense que je vais aller à gauche, parce que si c'est pour suivre le chemin comme ça, c'est pas la peine. Il y a une route à gauche. Donc, ça me saoule. Ça a l'air de continuer aussi. Le problème, c'est que ça continue et d'un coup, je me retrouve. Apparemment, c'est un peu mieux là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un sentier, mais je ne voudrais pas me retrouver dans les mêmes chemins, mais je ne peux pas savoir avant de connaître. Bon, j'approche d'une ville là. Je la vois, je vois quelques maisons. C'est tout neuf ici, hein, en plus. Je pense que il y a de quoi faire une belle voie verte. Hein. D'abord, je vois un truc pelleteuse là-bas. Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train de fabriquer? Est-ce qu'il y a... Non, c'est mon sentier. Regardez ça. Non. Ben voilà, me voilà au bout de la rue. Là, j'ai fait demi-tour et qu'est-ce qu'il y a? Je suis coincé. Donc, j'ai pas le choix. Je vais devoir continuer le sentier là-bas. En espérant pas être coincé à nouveau. Parce que si je suis coincé à un endroit que je dois faire tout ce que j'ai fait depuis le début, alors là, je vous dis pas le coup que je vais prendre au moral. Il y a les maisons que je vous parlais qui sont là-bas, pas bien loin. Et là, je regardais, mais tout est vraiment fermé. C'est impossible de déplacer les barrières. Strictement impossible. Il faudrait qu'une pince coupante, j'en ai pas, mais bon, je vais pas faire ça quand même. Mais c'est vrai que là, franchement, j'aurais bien aimé avoir un tout petit passage quand même, quoi. Enfin, bon, c'est pas bien grave. On va continuer, on va essayer de s'en sortir. On trouverait bien une solution, mais moi, c'est déjà des kilomètres à faire aujourd'hui. Hein. Là, je commence à prendre un peu de retard dans mon périple. Après, j'ai des raccourcis. Hein. Si je veux, je peux reprendre mon retard. J'ai des endroits, je peux reprendre 100 km d'un coup si je décide. Même là, d'ailleurs, hein, j'ai fait le chemin touristique. Je peux aller à l'endroit où je veux, en 110 km. Mais j'ai fait un chemin touristique qui me fait 139, je crois. Mais malgré tout, là, c'est compliqué. J'espère. Là, j'ai vu le sentier. Enfin, c'est pas un sentier, mais au début, ça passait. Après, on va voir jusqu'à quel point que ça passe. Mais il doit me rester peut-être 1 ou 2 km avant de, je pense, de pouvoir reprendre une route. Hein. Allez, c'est parti. Bon, bah, le chemin était vraiment impraticable. Le vélo, je l'ai pourri. Et du coup, là, je vais passer. J'ai trouvé un petit endroit pour passer le long. Vous voyez, la route, elle était à gauche. Là, je vais prendre je vais passer à droite. Là, je sais que je vais m'en sortir. Mais j'ai pourri le vélo. Il y a plein de boue partout. Mes chaussures, c'est pareil. Je crois que j'ai tellement pourri que je vais enlever la caméra pour vous montrer dans quel état il est. Là, franchement, il était à peu près propre depuis mon départ. Mais là, maintenant, c'est une catastrophe. Je sais pas si je pouvais mettre le vélo là. Est-ce que je pourrais, là, ça va nettoyer un peu, là. Ah là là, quelle horreur. Là, je suis à côté du vélo. Hein. C'est bon, comme ça va nettoyer un peu mes roues. J'ai commencé à avoir de la boue qui se met dans les patins de frein. Bon, ça y a encore 50 mètres à faire. Et ben, ah, ça y est, j'ai les pieds qui commencent à être mouillés. Je le sens, ça y est, ça a traversé.
chaussée. Les chaussures, les chaussettes. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, trouver quelques flaques, nettoyer les roues, parce que des dents. Voilà. Franchement, c'est... le chemin il est pas clair. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Tournez à gauche sur chemin de halage. Voilà. Dans 2600 mètres, ouais, sur chemin de halage. C'est vraiment bizarre par où il me fait passer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, j'arrive à un coin fort sympathique. Là, je viens de voir que j'avais oublié d'éteindre la GoPro tout à l'heure. Voilà, je suis pas sûr. Si je crois que j'ai filmé pour rien. Et en plus, j'éclairais même pas le sol. Du coup, je pourrais même pas faire un accéléré. Je filmé pas. J'ai l'impression. Pas grave. Bon, bah, ça roule bien là, à nouveau. J'espère que je suis sorti de la galère et que je retrouve les bons chemins. Voilà, petite péniche. Là, on est bien. J'espère que ça va bien continuer, par contre. Je galère à nouveau. Et là, ce qui est dommage, c'est que c'est mal balisé. Et je suis parti, c'était un chemin correct. J'ai suivi le canal. Et puis petit à petit ça s'est dégradé, j'ai roulé pas mal,
Et je me rends compte que de l'autre côté du rivage, ben la voie est nickel. C'est là que je devrais être. Si vous pouvez baliser un peu mieux les chemins, ça serait bien quand même. Là, j'ai vu qu'il y a un pont loin. Pour ça, j'avais hésité à faire demi-tour, mais je me dis que j'avais quand même pas mal roulé. J'ai un pont qui doit être à 500 mètres. J'espère qu'il y aura un passage pour changer de rive. Voilà, je sors du bout du tunnel. Enfin réussi à rejoindre le pont, ça a été loin. Là, j'ai encore perdu du temps, comme d'habitude. Donc l'étape d'aujourd'hui va être beaucoup plus courte que prévu. Pour le moment, je suis pas aidé. J'ai une moyenne de 9,3 quand même. Un peu étonnant. Voilà, à pouvoir se remettre sur le bon côté là. Là c'est en plus c'est vachement roulant quoi, c'est du goudron. Là, tout ce que j'ai fait là, j'ai dû faire. Non, j'ai la batterie de la GoPro qui fatigue un petit peu, mais des fois elle fatigue alors qu'il y en a encore. Alors, je ne sais pas. Et voilà, ah, comme je suis bien là par rapport il y a 3 minutes. Là je roule au moins. Voilà. Ah ça fait plaisir. Des petits passages sympathiques. Ouais, comme c'est beau. Surtout qu'on est du bon côté du rivage. Bon, le petit avantage, c'est que ça, comme l'herbe était haute et mouillée, ça a nettoyé en partie mon vélo, mes sacoches et mes chaussures. En partie, hein, je dis. Hein. Elle était haute, mais c'était pas non plus. Ça devait faire 30 cm, je pense. 30-40 peut-être par moment. Voilà, il n'y a plus que le dessus de mes sacoches qui est catastrophique. Mais c'est encore bien trempé. Quand ça va être sec, je pense que ça va tomber. Ça tombera facilement. Là encore un petit pont, on va changer de rive. J'ai l'impression. Toujours sur le canal de l'Oise. Ouais, on va aller de ce côté-là. Voilà, une petite écluse. Alors c'est le canal Saint-Quentin. Tout à l'heure je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit canal de l'Oise. Après, attention, je peux dire beaucoup de bêtises quand je roule. Des fois je le vois, des fois je le vois pas. C'est jamais volontaire. Voilà, bah ça roule toujours, hein. Tranquillement, on va dire. Ça fait, j'ai 10,5 de moyenne. Alors on va dire que ça va, ça roule bien maintenant, mais j'ai perdu tellement de temps au début. Les deux premières heures ont été vraiment horribles, quoi. Mais bon, ça va maintenant. Maintenant, c'est comme ça que je dis bonjour. Je lève la main. Parce que comme il n'y en a que 1 sur 3 qui répond, et malgré tout c'est vrai que ça prend un peu de souffle et tout, à dire bonjour tous les 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend des fois. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Alors maintenant je lève la main, ça me fait un peu moins d'effort physique. Oui, dire bonjour, c'est quand on fait du vélo, ça prend, quand on parle, ça prend
un tout petit peu d'énergie, et surtout qu'on n'a pas de retour en face. Donc on se dit, mais pourquoi, à quoi bon? Alors maintenant je lève la main, comme ça j'ai bonjour dans ma tête et je lève la main comme l'a fait le monsieur. Ça marche bien. Allez, je continue. Hop. Et voilà, j'ai fait 2-3 petites courses vite fait. J'ai vraiment sur la route, ça c'est parfait. J'ai acheté une boîte de conserve pour ce soir, des petites compotes, j'en avais plus, ou 2 ou 3, et pour midi, pas bien faim là, j'ai mangé pas mal de petites viennoiseries qui me restaient, que m'avait donné Jean-Marc pour la route. J'en ai mangé pas mal, du coup j'ai pris une salade. Là il est 11h40. Je pense la manger d'ici 1 heure max pour qu'elle reste fraîche. Voilà, allez, je continue mon petit périple. Et voilà, donc là, c'est l'heure de la petite pause. J'ai trouvé un magnifique étendoir à linge, comme ça. Ça va être à peu près sec quand je vais repartir. Le petit vélo qui va bien, là, le petit canal, le petit canal aussi, là-bas. Là-bas, il y a une belle et petite écluse. Ce truc qui est un peu dommage, mais bon, il n'y a pas les barrières là-bas au fond. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais il y a une table. Mais un petit peu loin de moi, et puis il n'y a pas les barrières, surtout pour faire sécher mon linge. Donc il ne manque plus qu'une petite tabouret, mais bon, je vais m'asseoir là-dessus. Ça ira très bien. Ouais, c'est très confortable. Ouais, impeccable. Allez, à tout à l'heure. Alors là, je suis à un endroit qui est vraiment beau. C'est dommage, ça part à la GoPro. De temps en temps, il y a de l'eau à gauche et de l'eau à droite. Et j'ai pas souvent la vue sur la gauche, mais tout à l'heure, je l'ai vu très vite fait. C'était tellement vite fait, j'aurais dû m'arrêter et faire une photo. Parce qu'il y avait des signes. C'était vachement sympa. Alors du coup je continue. Pour le moment ça roule bien, il fait beau, j'ai mangé, tout va bien. Ah, c'est toujours aussi beau, c'est vraiment beau ici. Et j'en ai encore pour un petit bout de temps de ce petit canal. Par contre je me suis pas méfié. Mais petit à petit mon eau a diminué, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Et là j'ai quasiment plus rien. Donc le canal est très rare. Dommage, tout à l'heure quand j'étais au magasin, j'aurais certainement pu faire le plein, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc maintenant j'espère que je vais trouver de l'eau, c'est tout. Non, pas trop longtemps, parce que je crois que j'ai au moins 20 km je pense avant vraiment de passer dans une ville. Ou quand je vais quitter le canal. Allez, à plus tard. Alors, j'ai vu un stade. Avec un peu de chance, j'ai fait un petit crochet, mais vraiment pas bien méchant. J'ai trouvé un petit point d'eau. Regarde bien. Tadam. Sinon, il y a des maisons, que je vais demander. Gagné. Il y a un camping-car, c'est plus bon. Là il y a des lycées. On va aller voir s'il y a un robinet. Bon, alors là je suis tombé sur un monsieur très gentil, parce que je lui demande au camping-car s'il y avait un robinet dans le coin. Et il me dit, alors il me dit c'est pourquoi, je dis bah c'est pour remplir mon bidon. Et il me dit bon, attendez, je vais pas vous donner de l'eau de ce que j'ai en réserve dans le camping-car, parce que c'est pas de l'eau buvable. Mais il me dit, je vais vous passer une bouteille d'eau cristalline. Il m'a carrément passé une bouteille. Au début je remplis une gourde,
Et puis ensuite, il me dit, bah buvez à la bouteille, il voulait vraiment me laisser. Alors j'ai rempli la deuxième gourde du coup. Donc j'ai eu 1,5 litre. Vraiment très sympa, on a discuté un petit peu. Ça fait plaisir de tomber. Dommage que je n'ai pas filmé. Ça fait plaisir de tomber sur des personnes aussi sympas. Voilà. Donc moi je m'attendais à voir. Je me suis dit, bon, quand j'ai demandé qu'il y avait un robinet, je lui ai dit, allez, il va me passer un peu d'eau de sa cuve du camping-car. Hein. Même pas 1 litre, ça va aller. Et puis il m'a carrément 1,5 litre. Là je repars, je suis tranquille. Et en plus elle est fraîche. Voilà, c'est top. Hop, allez, à tout à l'heure. Allez, donc, regardez l'installation là. Voilà. Impressionnant. Ça c'est du matos ça. Ça c'est du voyage. Ça doit aller vite ça. C'est une Formule 1 votre truc. Non, c'est un peu vite. Ça va pas vite du tout. Ouais, non, les pneus énormes. Ouais, c'est bon, vous allez où comme ça? Là je vais au premier temps aux Pays-Bas. Ah bah on en revient. Ah ouais? On vient d'Amsterdam là. Eh bah j'y vais. C'est cool. Bon courage. Oh, l'itinéraire il est magnifique. Ah ouais oui. Bah, vous êtes passé par l'intérieur un peu du coup. Vous arrivez. Nous on est arrivé par la côte en fait. On est parti de Chauny là. Eh ben alors là j'ai discuté avec les gens là. Non, j'arrête pas de discuter, j'avance pas du coup. C'est un youtubeur, c'est Mac l'Aventure, et je lui dis, mais il me disait quelque chose, je lui dis, j'ai déjà vu des vidéos de lui. Et du coup on a pas mal discuté. Alors il m'a appris un truc, c'est que je vais avoir des packs à prendre, des petits bateaux pour aux Pays-Bas. Je savais pas du tout. Apparemment c'est un peu obligatoire. Je verrai. Comment ça, à quel moment. Donc il m'a parlé un peu de la route qu'il me reste à faire. Alors on fait la même mais dans le sens inverse, c'est ça qui est marrant. Parce qu'il a fait. Il était à Dunkerque. Enfin il était avant Dunkerque même. Il est parti de Bretagne. Il est passé par Dunkerque, il a fait Rotterdam, il a fait Amsterdam. Il fait le même parcours que moi, dans le sens inverse. Alors j'ai pas demandé où il allait. Mais je le verrai sur sa chaîne. Et voilà. C'est bien sympa. Bon allez, je continue. Toujours aussi beau. Donc là j'approche une difficulté. Par contre le chemin on m'a prévenu, ça va se rétrécir. Ah, une petite péniche au loin. Et par contre il m'a dit aussi un truc là, Mac. Il m'a dit que les Hollandais, ils sont vraiment pas très accueillants. Pas souriants. Alors ceux que je connais, ils le sont. Mais apparemment, eh bon, je lui dis, moi j'y vais pour me balader. Si je vois personne, c'est pas bien grave. Au moment de faire les courses et tout. Et ça me dérange pas spécialement. Et ils font du bivouac, à bonne nouvelle. Alors ils m'ont dit que le bivouac est autorisé pour eux. Alors moi j'ai dit, c'est marrant, on m'a dit l'inverse. Et eux, ils n'ont pas eu de problème pour en faire. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Car effectivement, c'est un truc qui me stressait un tout petit peu. Enfin, un mot stress, c'est un grand mot, mais voilà, pour moi, je me dis, je voudrais prendre la photo. Voilà. Donc apparemment, pas de problème pour faire du bivouac. Je sais pas ce que c'est, mais c'est impressionnant. Sacrée usine. Hein. Un peu bruyant, j'aimerais pas habiter à côté. Hein. Ça va quand même. Voie de train désaffecté, hein. Bon, j'espère en tout cas. Bon, ça a l'air, vu l'air, vu comment c'est, ça peut être que désaffecté. On est bien. Par contre, il n'y a rien qui indique que c'est une piste cyclable.
elle est pas bien large hein, la piste cyclable. Hein. Au moins elle a le mérite d'exister quoi. Alors voilà, donc là je suis sur une petite voie verte pour rejoindre le canal un peu plus loin. Et c'est sympathique aussi. Hein. Alors tout à l'heure je vous ai dit, moi j'ai dit tiens c'est pas l'Oise, si c'est l'Oise. En réalité, je viens de découvrir que c'était bien l'Oise, mais il y a des passages qui sont des noms, où ils donnent des noms. C'est pour ça que je pensais à un moment, je me suis dit, tiens, c'est plus l'Oise, c'est le canal Intel. Oh non, mais c'est bien l'Oise, et j'ai bien compris. Et c'est comme des rues, on va dire. On va dire que c'est comme si qu'il y avait, comme si c'était Paris, en gros. Et puis dedans, il y a plein de rues. Et bien pour l'Oise, c'est pareil. C'est ce que j'ai cru comprendre. On est bien là. Ouais, c'est vraiment agréable ce petit coin. Quel plaisir cette allée là, il fait frais, on est bien, parce que là maintenant il fait un peu chaud hein. Mais je vais pas me plaindre, ça fait du bien, un peu de chaleur. Et cette allée, j'avoue, elle est magnifique hein. On est ombragé, c'est vraiment de toute beauté. Bon, je sais que ça n'a pas duré trop longtemps, mais au moment c'est un vrai bonheur. Et bon, là je me fais une montée, elle était monstrueuse. J'ai hésité à mettre le pied à terre. À mon avis, ça devait faire du 13-14%, je pense. Là, je suis, donc on va voir, plein d'éoliennes autour de moi. Ah, ça y est, ça s'est calmé. Tac. Alors, voyons voir. Hein, je vais pas pédaler trop tard normalement. Là il est quelle heure? Il est 15h et j'ai encore 20 km à faire. Voyons voir. Ouh là là, j'ai monté. Les difficultés, c'est pas terminé. J'en ai encore quelques-unes. Je suis bien sur. Mais ça je le savais, j'allais avoir pas mal de dénivelé positif. Demain ça ira mieux. Mais bon, c'est sympa quand même ici. Une petite descente, mais on va dire que j'ai encore deux belles difficultés à faire et après ça ira mieux. Il y en a quelques-unes, mais surtout deux, on va dire. Donc là, je compte m'arrêter à Bohène en Vermandois. Un truc comme ça, voilà, en tout cas. Allez, à plus tard. Ben, ça monte bien hein. Mais bon ça va, franchement là la vue est bien dégagée quand même sur les champs,
Là, il fait bon maintenant. Température, wow. On va faire, je vais vous dire combien il fait. 34 degrés, quoi, wow, quand même. Mais ça fait du bien. Allez, tout à l'heure. Voilà, bah on est bien dans le nord, hein. Quand on voit les petites maisons en briques, il n'y a aucun doute, je suis dans le nord. Ça, c'est joli, toute cette maison en briques, hein. C'est la première fois que je viens ici. Hein. Jamais visité Pas-de-Calais, tout ça. Bon bah je continue à avancer. Là j'ai fait une longue pause, très longue même, et je suis environ à 30 km de la Belgique. Je vais pas y aller ce soir parce que le bivouac est interdit là-bas. Alors bon, ça va pas m'empêcher peut-être d'en faire un, peut-être que j'ai une adresse demain à Bruxelles. Il y avait quelqu'un il y a quelques temps qui m'avait proposé de m'héberger, ça remonte vraiment à quelques mois, et donc je vais peut-être le relancer ce soir, voir comme ça, parce que comme c'est une ville, ça me permettrait de visiter très vite fait demain. Je suis en train de me tâter, oui, parce que demain soir je vais être à Bruxelles, ça c'est sûr. Donc là je roule un peu, j'ai 160 km actuellement pour y être, et donc ça veut dire que je dois partir à 6h du matin environ demain. Pour être dans les temps. Bon, après, si j'ai pas d'hébergement, je vais certainement m'arrêter un peu avant Bruxelles pour faire un bivouac quand même. Je me pose des questions, on verra, j'en serai un peu plus tout à l'heure ou demain. Au moment où je roule, la route là est bonne, facile. Et je pense que je vais avoir pas mal de descentes là dans un premier temps. Avec tout ce que j'ai monté là, ça ne m'étonnerait pas. Allez, à tout à l'heure. Allez, les couleurs sont belles. Il est 8h moins le quart. Alors là, dès que je trouve un point d'eau, je la prends et je chercherai un point pour bivouaquer. J'avais trouvé un point qui m'avait l'air pas mal, mais le problème, j'avais pas pris l'eau. J'avais vu un cimetière où j'ai hésité, et juste après le cimetière, c'est une grosse montée. Alors je me suis dit, j'allais pas m'encombrer de 10 litres d'eau dans une montée, quoi. Donc j'ai dit, bon, allez, je continue. C'est pas bien grave si je me couche tard, si je plante la tente tard. Non, mais bon, maintenant j'ai envie, vu que le soleil va se coucher. J'aimerais bien être en place rapidement maintenant. Généralement c'est vers 7h30 que je commence à planter la tente, tout va bien. Et je finis mon repas dans le noir. Donc là je sais déjà que je vais finir dans le noir. De l'autre côté j'ai tellement en retard sur mon objectif. Normalement je devrais déjà être en Belgique là. Je devrais être à Mons ce soir. Donc il faut que je refasse mon retard, je ne vais pas le refaire demain, mais demain mon objectif c'est Bruxelles, comme je vous ai dit. Donc on verra bien ce que j'arrive à faire. Il faut que je regarde quel était mon objectif de demain, pour voir ce que c'était. Je me souviens juste avant les Pays-Bas normalement, mais là c'est strictement impossible. Allez, je vais faire... Donc normalement j'aurai qu'une nuit en Belgique, et après on verra. Et ben voilà, ça y est, j'ai mon petit cimetière. Et la cerise sur le gâteau est sur ma route. Et je pense que je vais camper vraiment pas loin. Il n'y a pas un chat dans le coin. Il y a quand même une route, ça me plaît pas. Mais j'ai envie de
de m'installer dedans pour la nuit. Même sans la tente, ça se trouve. Je sais pas, je vais voir. Chercher l'eau déjà. Si, il n'y aura personne. L'eau est là. Franchement, je crois que je vais dormir là. Je vais me mettre au coin là-bas. Je vais déranger personne. Ou derrière, derrière la haie là-bas. Je vais voir. Je vais faire mon tour, mais je pense que je vais camper dans le coin. Là-bas, c'est pas mal aussi. Il y a de l'herbe qui est pas mal là-bas. Au fond, là-bas, je gênerai personne. Ouais, ouais, ouais. Voilà où je vais camper. D'ailleurs, je vais faire là. Je vais voir derrière la haie. Et si ça, ça sera encore l'idéal. Il y a des habitations très loin au fond. Alors, derrière la haie, je suis pas sûr que ce soit possible. Je vais voir. Je vais voir. Sinon, je vais monter au fond là. Oh, l'herbe est très haute là. Alors que là-bas, je crois qu'elle est tendue. Alors, je pense que je vais me mettre là-bas. Ça sera une première pour moi. Dormir dans un cimetière. Je vais me mettre au point là-bas. Je vais gêner personne. L'herbe, elle est pas trop haute. Un petit peu, mais ça reste correct. Je me mets là. Ici là, je vais gêner personne. Même l'herbe là-bas est un tout petit peu moins haute. Là ici elle est moins haute. Je suis un peu plus près des tombes, mais ils vont rien me dire. Voilà, je serai bien là. Là je suis bien. Allez, on pose le campement ici. Alors, les petites photos, là, c'est le bivouac du matin. En forêt, c'est pas l'idéal, car il y a des limaces qui vont un peu partout. Sur la tente, sur le vélo, donc c'est pas très très agréable à retirer. Ensuite, le matin, bah, le paysage est très très beau, mais j'ai eu, comme vous avez pu voir dans ma vidéo, des belles belles galères à traverser ce coin. Vraiment, c'était dur, les deux premières heures ont été très très difficiles. Ensuite, ça s'est bien arrangé dans la journée, ça a été fort agréable. Voilà, donc le petit vélo, les beaux petits paysages. Voilà, donc encore des beaux petits paysages. Voilà, ça continue, c'était très très agréable. Après la journée, l'après-midi, je me suis vraiment régalé là. Voilà, donc maintenant le bivouac du soir au cimetière, c'est l'endroit idéal je trouve. On a l'eau, on a les poubelles, on est à la tranquillité. C'est vraiment un très très bon spot, hein, les cimetières. Voilà, le petit repas du soir, là j'ai mangé quoi, saucisse, lentilles je crois. Voilà, donc une bonne journée. Allez, bye bye.